Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Salut tout le monde! Yay! C'est le début du vlogmas! Non, c'est une joke, je vlog pas chaque jour, c'est trop me demander. Par contre, oui, tout le mois de décembre et même janvier, on va être dans l'esprit des fêtes sur ma chaîne. Et donc, c'est le premier vlog que je vous offre qui est ambiance festive. Comme pas mal à chaque année, depuis les 3-4 dernières années, je voulais faire mes décos de Noël avec vous. On est maintenant le 2 décembre, donc ça commence avec le temps des fêtes. Là, j'ai juste de faire mes ongles. J'ai eu un changement de programme aujourd'hui, fait que j'en ai profité pour les changer parce que ça faisait 2 semaines puis il était vraiment dû. Vous voyez comme à rien avec la lumière. Bon, ça c'est mieux. J'ai fait la couleur Calabasas dans les Gel Care. Puis j'ai fait un petit half moon comme ça. Je suis bien contente parce que j'ai un shoot en fait le week-end prochain que j'aimerais vous vlogger. Je vais re-shooter avec Darianne Sanche ou DS Sanchez, plutôt son nom d'artiste. Ouais, on va refaire une collab chez elle en studio et tout ça. Elle est en train de fabriquer les décors. Fait que comme le thème c'est rose, ben c'est ça. Je voulais comme avoir des ongles qui allaient fitter avec ça, avec le style qu'on s'en va un peu qui est très comme romantique, un petit peu vieillot et tout. Je pense que ça va être vraiment fou là. Honnêtement, j'ai vu le mood board puis j'étais comme yes, let's do this. Fait que là, il est déjà rendu 3h et étant donné que j'avais des contrats à remettre ce matin et que j'ai fait mes ongles et que ça prend un beau 2 heures. Mais là, j'ai vraiment vraiment hâte d'aller décorer. J'ai comme toute de sortie depuis 3 jours, sauf le sapin qui est encore en bas. J'ai cette déco là qui est installée, c'était ma première que j'ai mise, ça j'étais trop excitée de le mettre. Ça fait en fait depuis un an, depuis que j'ai refait les escaliers, que je rêvais de ce moment où j'allais pouvoir décorer à l'américaine, comme je dis, avec genre un petit truc de faux cèdre en fait. Je suis un peu déçue parce que je l'ai payé vraiment cher, j'ai Canadian Tire, puis je la trouve pas si touffue que ça. Mais quand même très belle, puis mieux que les mini guirlandes, je sais pas là, qui ont pas l'air de cèdre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu l'aimes-tu? Pas de réponse, d'accord. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle s'allume le soir. Là, je l'ai comme tapé là, temporairement, parce que j'ai pas trouvé de solution. Il est comme juste un petit peu trop court, 9 pieds, je pensais que j'aurais assez long. Fait que tu sais, peut-être que je vais refaire ça tantôt, mettre un petit bon Noël, je sais pas, mais on va le rendre cute. N'est-ce pas, Lily? Tu vas-tu m'aider, Lily? Non, clairement pas. Elle veut juste aller bouffer. Ok, on y va. Je suis full excitée. Je sais pas pourquoi j'ai hâte comme ça. Mais hier, j'ai fait les décos chez ma mère. En fait, on a fêté sa fête hier chez elle. Puis on a décoré. Puis comme j'avais tellement le goût, moi aussi, de faire ça ce week-end. Mais finalement, j'avais d'autres plans. Fait que bref, j'ai vraiment hâte de décorer. Je vais bientôt dire à mon cher Google Home que je veux de la musique de Noël. Mais avant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. Peut-être que vous allez vous en rappeler si vous écoutez mes vlogs à chaque année. Mais bon. Peut-être que ça va vous intéresser pareil, je sais pas. Fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Alors j'ai ce bac avec plein de petits guidis dedans. Je pense que je vais tout sortir, étaler sur la table pour vraiment voir qu'est-ce que je veux mettre où. Il y a souvent des choses que je vais pas réutiliser. Il y avait ça que j'ai reçu à l'événement Canadian Tire, une belle étoile comme ça. Donc ça c'est nouveau. Ce petit sapin-là aussi que je trouve très joli. Il vient aussi de Canadian Tire. Il y a lui qui fit, ben pas qui fit pas, mais je veux dire qui vient pas de là, mais qui pourrait quasiment fitter dans un petit thème métallique. Plein d'autres belles affaires que j'ai hâte de vraiment redécouvrir. Ah oui, ça c'est la boîte qui sent bon! C'est toutes les affaires, les chandelles de Noël, le petit spray comme ça que j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, mon cadre. Plein de déco random, là. Fait que tout ça, je crois qu'il y a une autre boîte en bas même, mon dieu que j'en ai. Et ici, c'est des petits achats que j'ai fait la semaine passée au Dollarama. Parce que je voulais faire du DIY avec vous dans cette vidéo-ci. Je pense pas en faire sur ma chaîne principale cette année. Mais il y avait comme plein de belles affaires qui m'ont inspiré. En fait, ça, mettons, je voulais le faire en DIY. Mais quand j'ai vu que c'était 2 piastres, j'ai comme réalisé que ce serait plus cher de le faire moi-même que de l'acheter. Fait que ouais, j'ai des petites grandes de même. Celui-là aussi m'a inspiré quelque chose. C'était pour un DIY. J'étais bien inspirée en voyant cette belle laine multicolore. Peut-être pas pour Noël, mais en tout cas, je vais tout vous expliquer ça plus tard. Ça, c'est comme des petites pièces en bois que j'ai trouvées. Qui sont pas faits pour aller dans un sapin, mais je trouvais ça beau, moi. J'avais comme le goût de changer un petit peu mes ornements dans le sapin cette année, vu que ça fait comme 3 fois, je pense que je fais le même. Puis ça, je me disais que ça pouvait être un bel ajout, vu que j'aime ça quand même, le thème un peu rustique. J'ai acheté de la feutrine, parce que ça, j'avais pas ça dans mon kit d'artisanat en bas. Puis j'aimerais ça fabriquer peut-être des petits ornements pour le sapin avec, genre des petits animaux, je sais pas trop quoi encore. Je pense que c'est pas mal ça, en gros. Ilala, si Marie Kondo me voyait en ce moment, elle serait pas fière de moi. Mais moi, quand je vois ça, je suis comme waouh! Je trouve ça trop beau, puis c'est vraiment bien, je pense, faire l'exercice de tout sortir qu'est-ce qu'on a, parce que un, tu réalises vraiment combien t'en as, puis s'il faut faire un tri, ben là, c'est là que tu vois qu'est-ce que t'as pas remis d'année en année, tu sais. Mais aussi, moi, ça me permet de visualiser où je vais mettre les choses pour pas faire d'oubli, puis ça permet de classer un peu par style. Là, ça me rassure parce que j'ai quand même vraiment respecté un thème ici, là, je pense. C'est très rustique, là, tout ça. Il y a du bois, j'ai du vert, du rouge, évidemment.
évidemment, mais beaucoup de brun, beaucoup de matière naturelle. Vous voyez, ça, c'est les ornements que je mettais là chaque année, que j'ai fabriqué moi-même en pâte à sel, avec des petits cookie cutters du Ikea comme ça. Mon calendrier de l'Avent que je vous ai fait en DIY, je pense, l'année passée ou l'autre avant. La petite lumière. Encore du bois, du blanc, mes nouvelles guirlandes, centre de table. Même mes bonnes Noël quand j'étais jeune, ils étaient vintage. Fait que ça ressemble à ça pour tout ce qui est un petit peu vieillot, vraiment dans ce qui me fait triper. Et ici, j'ai séparé les choses qui étaient un peu plus modernes, si on veut, ou un peu plus enfant, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, c'est comme des décos qui ne fitent pas dans le thème rustique, mettons, mais que je tiens quand même à garder, là. Tu sais, des petits goodies comme ça, des lumières qui font des jeux intéressants, bon. Qu'est-ce qu'on met où, Lily? On fait-tu le sapin en premier ou en dernier? On dirait que je suis plus excitée de placer ça que le sapin, moi. Parce que je sais pas. L'affaire, c'est que cette année, je sais pas il va aller où le sapin. D'habitude, on le met dans le salon, mais là, on a un nouveau salon pis y a pas de place. En fait, même en ce moment, le salon est pas fait comme d'habitude parce que hier, il y a un monsieur de Vidéotron qui est venu pour le fil. On commençait à perdre l'internet, mais c'est parce que le sofa, il était trop collé sur le fil. Fait que là, c'est réparé. Mais Pat veut mettre comme un petit bout de bois pour empêcher le sofa de recogner. Donc, on a laissé ça comme ça depuis hier, là. Mais tu sais, vous voyez bien que j'ai plus mon trou habituel, là, pour le sapin puisque le sofa d'Urban Barn gigantesque. Fait qu'où c'est qu'il va aller? Il pourrait aller là, mais il faudrait que j'enlève ça ou je le mets, je sais pas. C'est un peu du trouble à tout bouger. Là-bas, pas vraiment parce qu'il y a le chauffage. By the way, je déteste ce nouveau chauffage. On a acheté ça parce que c'est silencieux, mais genre, ça prend tellement de place versus nos anciens. Le gros avantage, c'est qu'il est complètement, complètement silencieux. Genre, je l'entends pas du tout, du tout. C'est incroyable. Quand ceux avant faisaient genre vouh, dès qu'ils partent, là. Mais ouais, un petit peu encombrant. Puis même l'été avec les rideaux, tu sais, on les voit à travers. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça finalement. C'est parce qu'il était comme moins cher qu'un autre modèle, un peu plus discret, mais aussi silencieux, là. Bref, je peux pas mettre là non plus. Ici, est-ce que je pourrais tasser le meuble? Ça, c'est pas là d'habitude. Mettons que je tasse le meuble. J'ai-tu de la place pour un sapin là ou là? Je sais pas, non, pas vraiment. Je pourrais quasiment aller dans le milieu là, parce que la cuisine, c'est quand même la plus grande pièce de la maison. Pas ici, parce qu'il y a le garde-manger puis la litière, mais genre devant la fenêtre. Dans le boudoir, pas vraiment, parce que le chauffage est là encore une fois. Ben, vous l'entendez rouler, là. Entendez-vous le bruit? Voyez-vous les jouets de Lily aussi qui traînent partout? Ça fait quand même full de bruit. Je sais pas où ce qui va aller. Au pire, on va mettre les cadeaux en dessous de celle-là. Ça sera un Noël très minimaliste. Ben oui, ça c'est un petit mini sapin que Pat m'a acheté il y a un mois. Genre en quincaillerie, là, il était pas cher. Il est vraiment cute. Faudrait trouver un nom. Laissez-moi des idées pour un nom dans les commentaires parce que comme ça, je vais pouvoir le mettre dans plein de books. Pour pas oublier de l'arroser. Je l'ai fait un matin, mais je sais même pas c'est quoi la fréquence qu'il faut arroser les petits arbres de même. Genre, je sais pas, souvent ou pas. Ok Google, joue de la musique de Noël. You know what to do. D'accord. Voici une chaîne Play Musique intitulée Jazz de Noël. Oh, j'aime pas le jazz. Ben des fois jazz de Noël ça passe, mais jazz c'est pas mon style. Bref, moi j'aime mieux le blues. Joue moins du blues de Noël, Google. Ok Google, joue d'autres musiques de Noël. Non, d'autres. Tout ça déprimant. On dirait de la musique de centre d'achat là. Joue d'autres musiques de Noël. Bien sûr, je mets une chaîne Play Musique intitulée L'influence juive, chanson de Noël. C'est quoi ça? Oh, the weather outside is frightful. Ça, c'est l'influence juive. L'influence juive. Hey, t'aimes pas ça te faire prendre? Let it snow, let it snow, let it snow. Bon, on fait ça. Je vais enlever ce qui fait pas trop Noël, puis je vais mettre des affaires de Noël. Bon, on a perdu la belle lumière, mais regardez, ça c'est la première petite, ben la première petite zone en fait que j'ai décorée. Avec des petits pops de verdure partout, mais là c'est du sapinage. Comme la petite branche de sève naturelle là, j'en ai mis une autre dans le panier. Fait que c'est pas parfait, mais j'aime bien ça, j'aime bien. Clairement, il faudrait que j'aille retrouver, je sais pas si ça vient du Dolo là sûrement, mais il faudrait que j'en achète plus de ça. Parce que c'est trop beau quand ça tombe un peu genre d'une tablette là comme ça. Hihi, je suis allée me chercher plein de cèdres dehors, tu sais, il y en a vraiment comme à portée de main. Donc je me suis fait un petit bouquet, comme on coupe des fleurs l'été, ben on peut couper aussi des verdures l'hiver. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, mais tu sais, ça pourrait être une couronne, ça peut être une genre de guirlande, je peux les mettre justement en accent sur des tablettes. Et tout. Je vais faire des essais. Là, c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça avant, mais bon. D'habitude, ici, je mets une couronne, mais là, j'avais comme un feeling que mon petit calendrier de l'avant serait beau. Fait que je vais mettre les petites enveloppes.
J'aime vraiment ça, mon petit sapinage, finalement. Regardez comment c'est beau. C'est cute, hein? Ça respecte mon thème, mais ça fait un beau petit update. Là, j'ai commencé à ramener des choses dans le salon que je pense qu'il pourrait être beau ici. Tout là-dedans, là, je vais essayer de changer certaines petites affaires. Tu sais, genre ça fait pas Noël, on va l'enlever. Je pense que je vais enlever ça aussi. Bien, fait que ça, c'est un autre petit coin de fête. Miam, miam, qu'est-ce qui mijote? Oh mon dieu, vous voyez plus rien. La pluie. Oh zut, mais c'est des pâtes. C'est les rigatoni bolognaise de la cuisine de Jean-Philippe. On les a jamais fait, mais je trouvais que la photo avait l'air très, très appétissante. Alors, je vous dirai après si c'est bon. Ah, c'est chaud, je peux pas prendre ça. Oups, mes pâtes sont un peu al dente. Mais c'est bon. Chapeau! Je suis en train de tester le sapin à différents endroits. Et dans le salon, mettons que la bibliothèque, là, on la plug là-bas dans le fond. Est-ce que ça, c'est trop in the way, genre là? Je pense que oui, hein? Mais sinon, Pat y a pensé dans le boudoir, fait que là, j'ai tassé le banc. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire comme un petit salon, tu sais, fermé? L'arbre là, je tasse les décos, je tasse la plante pour pas faire concurrence au sapin quand même. Mais je trouve ça quand même cute ici. Ou on peut aussi mettre dans ce sens-là, même si c'est un peu weird, mais tu sais, on n'a pas tellement à avoir accès à la porte patio, puis au besoin, ça pèse à rien, là, je le tasse comme un bête. Là, Lily est bien excitée, hein? Quand on bouge des meubles, tu vas aller en dessous du tapis, toi, je te connais. Mais sais-tu le sapin exactement où c'était? Viens, on va essayer. Non, t'as ça. J'aime ça, moi. Mettons que j'enlève ça, je pourrais le mettre ici. Avec les affaires de Lily, j'étasserais genre, ben là-bas. Dès que t'entres dans la maison, effectivement, tu le vois. Et qu'on va le placer, mais je pense que ça va être bien beau, ça. J'aime ça. J'avais cette vieille caisse-là dans le sous-sol, cadeau de ma belle-mère, parce que moi j'adore tout ce qui est antique. Attendez, j'essaye de vous trouver le début. Checkez ça comment c'est vieux! Je capote! Je l'avais pas encore trouvé de place, mais là, dans ma petite déco de Noël, pour faire comme un petit truc ici, ça pourrait être cute, je pense. L'étape numéro 1 est faite, j'ai mis ma petite burlap, ma petite jute, puis là j'ai voulu essayer ça. Parce que j'ai pas trouvé de DIY à faire avec tantôt, là. Je suis restée comme 15 minutes à essayer des affaires, mais c'est pas convaincant. Fait que je vais essayer comme telle, parce que je trouve ça cute, puis tu sais, il y a comme plein de petites doudous là, dans la pièce, on dirait que ça me fait penser à ça, ça ajoute un peu de douceur. Oh c'est cute, oui j'aime ça, j'étais comme, je vais mettre ça avec la jute. Non, je pense que je vais faire une autre rangée. Sérieux, on dirait même pas que ça vient du dolo. Pourtant c'est juste des pompons, vous me direz, mais ça, le problème c'est que j'en ai juste acheté deux parce que j'étais pas sûre qu'est-ce que j'allais faire avec. Puis des fois de l'eau, tu sais, comme tu y vas puis il reste plus rien, puis il y a comme une série, une collection qui est juste comme finie. J'espère que ça va pas me faire ça parce que ça m'en prendrait peut-être trop. Moi ils font pas le tour, mais tu sais c'est pas grave si ça va pas derrière. Plein plein, ça se place seul. Ah, pour moi c'est vraiment beau, ça se place full bien dans le sapin, pour vrai je trippe bien raide. Ça se fait un peu avec les lumières, mais check it proche. C'est beau, j'aime ça. Ok, mais sérieusement, c'est genre le hack du siècle. Tu sais, ça vient en paquet de 4 pour 1,25. On s'entend que quand t'achètes des ornements à l'unité, des fois ça peut aller même jusqu'à 5$, ça n'a pas de bon sens. Puis genre ça se casse pas au moins. C'est un petit bois comme ça. Pas de risque de casser si votre chat va dedans. Puis je trouve que ça fit au bout avec mon petit thème. Je suis juste triste que j'ai pas pris un autre. Je vais essayer d'en trouver. Là, c'est l'heure de la pause thé. Regardez qu'est-ce que j'ai. Le calendrier de l'avant des David City. Je pense que c'est la première année que je l'ai ou la deuxième. Je suis pas sûre, mais cette année, en tout cas, je capote. Checker, c'est parce que c'est tellement fun. Genre, hier, il y avait un bon rabais, 5$ quand t'achètes 25$. Puis checker la taille des thés. Genre, t'en as assez pour t'en faire deux. Fait que c'est le fun. Moi, je vais goûter à chaque jour avec Pat. By the way, je sais que ça a l'air d'une verrue, là, mais c'est ce que je vous ai dit dans l'autre vlog, genre, quand je me suis coupée. C'est dégueu, hein? On dirait que ça veut pas guérir. Et avec ça, on va se gâter un petit peu. On va prendre un petit morceau de gâteau, checker comment il est beau l'emballage. C'est celui de Cap pour Catherine. Peut-être que vous la connaissez, elle fait des recettes sans gluten. Il est aussi végétalien, fait que je suis bien contente. Et il est surtout très bon. Il est vraiment très, très, très riche. Bon, je pense que je vais quand même en ajouter un petit peu là, dans ceux-là parce qu'il me semble que j'ai encore bien de la place. Peut-être les petits noirs comme ça qu'une abonnée m'avait fait. Je pense que ce serait beau. Bon ben,
Moi, je dis que c'est un très bon début pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis, ma belle? J'ai pu garder ta station bouffe à la même place. Il y a juste la plante là, du salon qui est venue ici. C'est correct parce que c'est une snake plant. T'as pas besoin de beaucoup de lumière. De toute façon, dans le jour, je vais quand même ouvrir là, parce qu'il y a beaucoup de plantes ici. Il manquera peut-être des petites décos là. La petite maison à Lily est encore là. Peut-être demain, je vais essayer de mettre finalement mes guirlandes là-dedans. Tu sais, comme qui pourrait pendre en dessous. Je vais essayer parce que là-dedans, je le trouvais comme déjà beau finalement, sans rien d'autre. Je trouve ça vraiment cute comme petit coin. On dirait que j'ai le goût de venir me poser justement avec un petit thé, faire de la lecture. Je suis contente. Puis là, je vais fermer les lumières. Ouh, oh, c'est beau. Là, moi, il faut que j'aille faire du montage. Puis demain, je vais continuer tout ça. Pourquoi j'ai la face rouge? Mauve, genre. Resalut le vlog, vous avez manqué de la belle visite. Il y a les gars de Cookie Bluff qui viennent juste de passer. Ils m'ont amené leur nouvelle saveur pour les fêtes qui est Red Velvet. Ça a l'air super bon. Ils m'ont dit que celle-là, cuit spécialement, il était bon. Fait que je m'en allais tester ça dans ma story en live, mais je voulais vous donner mon avis à vous autres aussi en même temps. Ah, pis si vous les connaissez pas, ben c'est ça, c'est de la pâte à biscuits qu'on peut manger cru. C'est une entreprise québécoise. Ça ressemble à ça. Elle mange très froide là, en ce moment. Hein. Elle est vraiment bonne pour vrai. Je pense qu'elle est pas trop sucrée celle-là. Moi, mon trip en fait, c'est vraiment de la laisser comme température pièce, faire des petites boulettes ou des petits biscuits de même puis les bouffer. Encore moi, j'avais envie de faire les petits DIY maintenant avec vous. J'en ai deux que je pense faire aujourd'hui. Désolée d'être comme du mauvais bord de la fenêtre, mais je suis en train de faire chauffer mon petit gun puis il y a une brise juste ici. Ouais, hier dans le fond, c'est parce qu'il me restait beaucoup de mes petits branchages comme ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Là, je me suis dit, ah, une couronne, tu sais. Mais là, je me demandais comment j'allais faire tenir ça en couronne. Puis là, j'ai eu un flash. Parce qu'on a des supports comme ça qui nous restent un peu dans la maison qui sont comme en métal. Puis ça, c'est une excellente base. Si je suis capable de... Ah, oh, c'est plus dur que je pensais, mais peut-être avec des pinces, je devrais être capable. Je voulais comme y donner une forme arrondie de même. Oh mon dieu, c'est raide pour vrai. Attendez. J'aimerais peut-être la mettre en haut de notre lit. Je pense que ça serait vraiment beau. En fait, j'ai comme une vision de ma chambre des fêtes parfaites dans ma tête. On va voir si ça va se réaliser dans les prochains jours, parce qu'il me manquerait des affaires pour la faire, là, mais... Ok, je pense que ça s'en vient. Est-ce que c'est trop gros? Yay! Fait qu'on a une espèce de cercle. Et là, je vais prendre tout ça et envelopper le tout. J'ai ma petite colle chaude ici, comme je disais. Je pense que ça va tenir, moi. Je sais pas. Il me semble que les fleuristes utilisent ça des fois, de l'espèce de colle chaude de même, non? Pourquoi je me brûle? Tu sais, sinon, j'irai avec du fil de fer, genre. Oh! Oh my god. C'est un peu un challenge. Alors voici le résultat, je suis vraiment contente, je ne l'ai pas tout rempli finalement, je trouvais ça beau d'avoir un petit peu d'asymétrie puis le 5 qui dépasse, là, le petit côté métallique. Je suis vraiment contente, c'était full facile finalement. Je vais même rajouter des petites cocottes comme ça à la main. J'ai fait plusieurs couleurs qui s'enchaînent, je trouve ça trop beau! Prochain tuto, comme je disais, c'est pas nécessairement Noël, à moins que vous ayez un Noël funky ou tu sais un peu plus dans le style de deuxième peau, mettons, ça fitterait parfaitement. Mais avec ma déco, non, mais j'ai le goût de le faire pareil. En tout cas, je vais commencer pour vous donner l'idée. Comme je disais, j'ai trouvé cette belle Lenlo Dolo, j'aime ça qu'elle ait comme plein de petits confettis de couleurs dedans. Puis tout de suite, ça me fait penser à une déco que j'ai vue la semaine passée chez Maison Pépin à Montréal. Ils ont des full belles affaires de déco de Noël puis tout, mais c'est vraiment cher. Puis ils vendaient une espèce de guirlande, je pense qu'elle était 40 ou 60. Puis moi j'étais comme ding ding ding, tu peux faire ça toi-même pour une 50. Oh, il n'y a pas de prix. Ben, mettons 2$, ok? Mettons 4$, t'as une guirlande équivalente. Faut juste la faire. C'est un peu long faire des pompons, mais ça se fait super bien. Je sais pas si vous vous rappelez de la technique. Moi-même, je sais pas si je me rappelle. Je pense que je faisais juste enrouler ça de même autour de mes doigts. C'est la première fois que j'essaye la laine du Dolo. Mais tu sais, vu que c'est comme fluffy, je pense pas que j'ai besoin de faire trop de tours. Je vais le laisser de même, gars, ça tient à cause de la texture. Je prends un autre bout de ficelle, clac, et j'enfile ça dedans. Hop! Faut vraiment que ce soit comme dans le milieu. J'ai-tu bien fait? Oh non, c'est à l'extérieur, je me suis trompée. Bon, attendez, c'est pas grave. On va juste reprendre une autre corde. Ouais, c'est ça, comme ça. Faut envelopper le petit bachot. Excusez, ça fait probablement un an que j'en ai pas fait. Donc mettons comme ça, parce qu'après on va passer le ciseau puis on va tout venir ouvrir. De même, t'enfiles ton ciseau puis clac, clac, clac. Ah ok, c'était mes ciseaux qui étaient finis, mon dieu, ça va bien, ça va bien, phew. Ok, fait que là, pour ça, faut juste le fluffer puis couper les bouts trop longs. C'est un peu, je vois que la qualité est pas top, là, pour une première fois au Dolo. Au sens où, tu sais, il fait plein comme de petites mousses, là. C'est pas facile à travailler vraiment à ce niveau-là. C'est cute, ça? Ça ressemble à un beau petit pompon joyeux, non? Bon, ben c'est parti, je pars la fabrique à pompons.
Bill, j'ai fait 9 beaux pompons ici. Fait que là, je vais les enfiler sur ma corde. Avec les petits bouts que je me suis laissé plus longs, finalement, je vais juste comme les attacher de même. Faire un petit nœud et couper ça. Et le résultat! Oh, c'est si cute! Je capote! C'est pareil comme ce que j'ai vu genre chez Maison Pépin. C'est juste d'autres pompons, mais genre, sont vraiment beaux. Yay! Je peux le faire de moi! Ça a pas pris de temps, je pense, max une demi-heure. Et là, j'ai bien envie de venir faire une petite pause ici. Regardez comment c'est douillet, c'est accueillant avec la petite lumière. Puis ça ici, ben, comme déco sur la table, j'ai juste pris ça, là, une chandelle que j'avais déjà. Une chandelle de Noël de l'année passée de Nest qui sent bon le sapin. Et ça, pour éclairer aussi le soir. Fait que je vais faire une petite pause là, puis voir qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui pour le reste de ma journée. Bon, enfin, j'ai ramassé mon petit bordel. J'ai juste mis ce centre de tableau, comme à chaque année. Je sais plus d'où ce qui vient. Ça devait être genre Target, je pense. Mais ouais, je suis bien contente. Ah oui, j'ai rajouté ça aussi. Fait que voilà pour la cuisine, salle à manger. Puis là, j'étais en train de me dire que je me ferais bien un petit thé dans ma pause. Puis là, je viens de me rappeler que Lily aussi, elle a son calendrier de l'Avent. T'as essayé de le manger, hein, quand elle l'a ramené du Mondou? Veux-tu tes cadeaux? Oui, hein? Tiens, va l'ouvrir par où est-ce que tu avais déjà commencé la job. Ah ah! Qu'est-ce qui se cache ici, Lily? Oh! 3 petites gâteries! Oh! Regarde, Lily! C'est quoi? Eh non! Faut que tu le vois! Elle pile sur mon gâterie! Lily! Eh, fais-moi plaisir puis mange! Oh non! Hey! Oh oh! J'espère que c'est pas ça qu'il y a partout dedans! Ah, mais oui, ça se peut. C'est nutriant. Je pensais que c'était un calendrier du Mondou, genre avec plein de sortes différentes. On dirait des cubes, genre. Je sais pas, c'est tout sec. En fait, on dirait des cubes de tofu. C'est genre du foie de bœuf. Bon, ben, on va ouvrir ça, ça, à ma place. Moi, je l'aime, mon calendrier d'avant. Ah, ah, c'est vrai, je pensais qu'on était le 2 dans son calendrier à elle. Mais bon, de toute façon, elle a la même affaire tout le long. Moi, j'ai quoi aujourd'hui? Mélange breakfast de David. Hey, Checky, je voulais vous dire, j'ai mis ma petite guirlande ici. J'avais le goût de l'essayer là, je trouve ça quand même cute, mais anyways, si j'ai des nouvelles bientôt de quelqu'un qui fait de la construction, je vais juste comme enlever ce mur, donc ça sera pas dans longtemps, je pense. Si on peut enlever le mur, c'est pas certain encore, j'ai pas de nouvelles. Coucou tout le monde, il me manquait une petite conclusion de mon vlog, là on est rendu le 10 décembre, donc mardi, j'ai mis mon petit chandail de Noël. Parce que je m'avais filmé ma deuxième vidéo de Noël sur ma chaîne principale avec PL tantôt et avec Emily Campbell aussi qui était la maquilleuse de ma vidéo de Voldemort. On va vous faire une belle transformation, je vous en dis pas plus. Mais ça va être en ligne samedi sur ma chaîne. Puis ben, les décos, écoutez, j'ai pas pu finir ma chambre parce que comme je dis, ça prend un set de draps et je ne l'ai pas. J'ai pas eu le temps de magasiner ça du tout. J'ai une idée en tête, mais ouais, j'ai pas trouvé ça ni dans les délais, ni ce que je veux. Donc ça sera dans un prochain vlog de Noël, là, tout simplement, je vous montrerai l'update de la chambre transformée parce que c'est vraiment la seule pièce qui reste à décorer. J'ai mis ça finalement ici, j'ai ma petite guirlande, puis j'en ai mis une autre en bas, je voulais vous montrer parce que j'en avais acheté pour mon balcon, puis finalement j'en ai trouvé des plus belles au de l'eau, fait que je les ai switchées, puis celles que j'avais dehors, en fait, je les ai mis en dedans. J'avais vu ça sur Pinterest, je trouvais ça trop beau, genre de les mettre comme un peu dans les cabinets. Comme ça, vous voyez peut-être pas grand-chose vu que c'est à contre-jour, mais je trouvais ça trop beau. Putain, je vous ai augmenté la lumière, mais ouais, je trouve ça vraiment cute. Je savais pas trop s'il fallait le mettre en avant ou comme en dedans ou en arrière, mais bon, même si vous voyez pas grand chose, je vous jure qu'en vrai, ça fait vraiment beau. En plus, tu sais, comme depuis le début qu'on est ici, je trouve ça tout le temps comme trop blanc, ce coin-là. J'étais genre, est-ce que je devrais faire mon cadrage en bois ou je sais pas trop quoi. Fait que ça abaisse. Si je pouvais avoir, mettons, genre une plante grimpante tout le long, là, toute l'année, je veux dire, qui serait là, je serais vraiment contente parce que ça, je trouve que ça abaisse vraiment bien la cuisine. Il faut que je range ma vaisselle ici, mais tu sais, ça fait cute! Yay! Coucou la poule! T'es prête à jouer? Tu m'as laissé me préparer ce matin, mais là on va jouer un peu hein, avant d'aller filmer. Mais oui, ça va être une grosse journée aujourd'hui. Toute une journée de tournage, c'est rare ça. Toute la journée. Tu dis tu bailles avec moi ma cocotte? Oh tu ronronnes! Ok, bye les amis, je vous revois bientôt. Oh mon dieu, je suis encore en éclairage boosté. Mais oui, à très bientôt, je sais pas quand. J'ai tellement le goût de vous sortir plein de vidéos, autant ici que sur la chaîne principale, mais c'est toujours intense le temps des fêtes. Je sais pas comment il y en a qui font pour filmer à chaque jour. Honnêtement, c'est tellement de l'implication quand on n'a pas d'aide. Bref, j'aimerais vraiment en faire plus, mais je vais faire de mon mieux, ok, peut-être dans une semaine max pour un nouveau vlog. Je vais vous en faire le plus possible comme je dis. Fait que gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye!